général, une petite explication par rapport à ce bassin que vous venez d'installer, comment ça marche? De mettre en réalisation. Alors, le bassin, c'est très simple. Il y a une source qui descend, il y a de l'eau qui descend. Elle est récupérée dans un entonnoir. Alors, si vous voyez bien l'entonnoir à l'intérieur, il y a des conduits qui récupèrent l'eau et qui le rebalancent dans ce conduit-là, dans ce réservoir, qui est à peu près de 6 mètres cubes, avec une pompe qui remet en marche toute la pompe et rejette l'eau vers le haut jusqu'au château d'eau. Et à partir de là, du château d'eau, toute l'eau est redistribuée dans le village, c'est-à-dire en contrebas. Alors, il y a une distance à peu près il y a 550 mètres à peu près, 550 mètres. Et combien ça a pris de temps pour réaliser ? Alors, le projet, alors on va dire que l'investissement au début, puisque nous avons eu la chance de rencontrer les gens de la CDG de la Fondation, qui nous ont donné un coup de main, le temps de rassembler l'argent qu'ils nous ont envoyé, et le projet a été effectué à peu près en 3 semaines, parce que, bon, vu les intempéries, vu le temps de construire ce bassin, le temps de faire passer toute la tuyauterie, de construire le château d'eau, 3 semaines à peu près. Nous attendons juste un petit coup de soleil pour mettre en marche la pompe qui va se faire, Inch'Allah, dans les 2 jours qui suivent. Parce que vous avez installé un système de solaire, c'est ça ? Oui, un système solaire, c'est le plus simple. Vous savez, vous avez vu la nature, le Maroc, c'est le soleil, et on va pouvoir faire passer toute cette eau avec un système solaire. J'imagine que vous avez impliqué les gens du village. Oui, oui. Alors les gens du village ont toujours été impliqués dans tous les projets que nous menons. C'est des gens qui n'hésitent pas à retrousser leurs manches, c'est des gens qui sont d'une grande utilité, c'est des gens qui travaillent avec leurs mains, qui aident les ouvriers. Après, il a fallu ramener un ingénieur, bien sûr, pour pouvoir mettre tout le projet en place, mais c'est eux qui ont travaillé à le bâtir, avec toute la société qui a fait le travail. Et c'est eux qui font le suivi de l'eau. L'histoire d'Elma, si je peux revenir, l'histoire d'Elma, il y a 2 ans, parce que c'est un projet, c'est un rêve, c'est notre rêve, Brahim Emma, Brahim Egiwaz, qui fait partie de l'association, Abou Bakr Mzour et les autres. Sengoul, il y a 2 ans, il n'y avait pas d'eau. Je suis le robinet, le maqlil. Je suis le robinet, قلت لواحد السيد هنا قلت ليه الله يخليك واش يمكن لك تعطيني كاس د الماء الى تغدي الى تغدي بون جي با اوزي لو فير لا رمارك جاب لي كاس د الماء قال لي اسمحي لي راه كان خاصني نهبط باش نجيب الماء حيت il le il s'approvisionne من l'eau de source. قلت ليه شحال هبطتي؟ قال لي هبط. قلت لي وريني هاد المسافه اللي مشيتي فيها باش تجيب لي الماء. جي فيك سيتي بزاف. اي دونك خصو يهبط سي باسكو لا فالي اللي حنا فيها سي اون فالي كي باش فا سي لو فيلاج اللي في اون فالي اي كي ا 600 متر دالتيتود دو بروميير بوان دو. قلت لي هبطتي هاد المسافه كلها باش تجيب لي كاس د الماء. Alors non seulement il s'est pris la peine et il s'est dérangé pour aller me chercher un verre d'eau, je me suis dit, à un moment donné, mais c'est métro, descente et montée. Et on a fait l'expérience hier, c'est dur. C'est très très dur, c'est très très dur. Donc j'étais un peu gênée et c'est là où Kango, non, c'est pas possible. C'est pas possible, ces gens ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Ils méritent de vivre dans des conditions comme nous tous. Parce que on consomme beaucoup d'eau. Je crois que c'est un appel que vous lancez aux citadins, on va dire. Oui, de consommer, de faire attention à la consommation d'eau et de penser aux gens qui sont dans des régions enclavées.